connaît votre émission de savoir, de connaissances et d'éducation. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro sur les livres en papier. 23 avril 2024, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. C'est célébré chaque année dans le monde entier. Pour en parler, Bibliothèque francophone reçoit Maître Rémi Mokassa Sando. Dans cette émission, il sera question de parler des livres en papier et des droits d'auteur, à commencer par son historique, à passer par son rôle et pour chuter à son avenir face aux livres électroniques qui gagnent du terrain. On ne manquera pas d'aborder aussi cette question des droits d'auteur afin de vous permettre de bien cerner son fonctionnement. Maître Rémi Mokassa Sando est avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Il a obtenu son master en organisation des cycles électoraux et droit électoral depuis 2021. Conseiller tour à tour dans plusieurs cabinets ministériels et institutions publiques et privées. Son domaine de prédilection d'écrivains, des romanciers, des poètes, pédéistes, auteurs, compositeurs, ainsi que son talent épistolaire éprouvé, lui a valu les prix des lauréats en poésie de plusieurs prix littéraires. Maître Rémi Mokassa Sando, bonsoir. Bonsoir, Maître Barreau. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Je rappelle que vous êtes lauréat en poésie de plusieurs prix littéraires. De plusieurs prix de concours littéraires. Voilà. En dehors de votre brillante étude et de votre prestigieuse carrière professionnelle, mais vous accrochez toujours à ce monde des livres ou à ce monde de lecture. Et aujourd'hui, le 23 avril 2024, c'est la journée mondiale des livres et des droits d'auteur. Ma question est celle-ci. Pourquoi célébrer cette journée? Oui. Je pense qu'il est d'une grande importance que les livres soient célébrés parce que c'est le livre qui constitue le matelas des connaissances, des savoirs. C'est-à-dire tout ce qui est produit sur les plans de vie intellectuelle est gardé dans le livre. C'est pourquoi ça doit être une journée très très célébrée, je pense que sur le monde entier, par tous ceux qui ont étudié. Parce que sans livre, personne n'est qu'un intellectuel, aucun scientifique ne devait être ce qu'il est. Donc, je pense qu'il y a tout un terrain qu'on puisse largement fêter la journée du livre et que ça rappelle tout le monde le temps qu'il a été, tous les temps qui constituent un ouvrage. Parce que quand on entre dans un ouvrage, c'est pour acquérir des connaissances et c'est nourrir l'esprit. Quel est le bien fondé du livre ou quels sont les avantages qu'on peut tirer quand on lit les livres? Les gens. D'abord, quand on lit un livre, on voyage, on apprend, on se cultive sans dépenser. Donc, le livre est d'une grande importance parce que ça indique tout ce qu'on veut acquérir sur le point de vue intellectuel, on le trouve dans le livre. Et sans livre, les intellectuels sont nuls. Imaginez-moi un scientifique, un savant, un professeur d'université qui ne laisse pas d'écrit. C'est comme un vieillissage au village, c'est-à-dire dès que le maire il part avec la bibliothèque. C'est pour éviter que la bibliothèque soit vandalisée par la mort, il faut qu'il y ait des écrits. Mais avec cette lourdeur de la part des populations pour s'approcher à la lecture, au livre, ça pose problème pour acquérir la connaissance, ça demande de parcourir ou de lire des livres, mais comment contourner toutes ces lourdeurs-là pour... Ça donner au livre, c'est pas chose facile, hein? Je pense que c'est bien simple. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Parce que les Congolais ne lisent pas. Les Congolais ne lisent pas parce qu'ils ne sont pas motivés à la lecture. Mais moi, je pense que c'est un problème de stratégie, c'est un problème de volonté des intellectuels et la volonté des politiques pour que les gens puissent lire. Et les parents. Parce que pour pousser les gens... S'il veut attraper un poisson, il faut mettre la passe et la naissance. Passe, oui. Maintenant, il faut qu'on organise ces choses-là. On peut décider, par exemple, de commencer à organiser les concours de lecture à travers le pays, dans les écoles, dans les universités. Donc, on distribue les ouvrages aux jeunes gens, aux étudiants,
à travers les services publics de l'État, même privé, on demande aux gens de lire. On organise même des activités culturelles dans toutes les communes, dans toutes les communes, dans tous les services publics de l'État, par exemple, où les gens doivent lire. Parce que quand les gens lisent, ils apprennent, ils se modernisent, ils se mettent sur la diapason de l'évolution scientifique. Et sans cela, vous allez voir que beaucoup de nos scientifiques aujourd'hui, comme ils ne lisent pas, beaucoup d'intellectuels, ils commencent à réfléchir de la même manière comme les gens qui n'ont jamais été à l'école. Ils sont dans des débats de caniveaux. Ils ne rehaussent pas les débats parce qu'ils ont tout perdu ce qui est scientifique. Ils restent avec ce qu'on appelle la culture générale, c'est-à-dire le bribe de ce qu'on détient après avoir perdu tous les savoirs scientifiques qu'on a appris à l'université ou à l'école. Et c'est très dangereux pour l'avenir d'un pays, l'avenir d'une nation. Nous devons mobiliser les gens à la lecture. C'est très très important. Comme vous êtes en train de parler, je me suis dit peut-être qu'avec notre gouvernement qui est censé mettre les paquets pour sensibiliser, mais l'État se plaint tout le temps, l'État commence à se plaindre tout le temps pour, en matière de finances pour débourser quoi que ce soit. Je pense qu'il faut passer par autre chemin pour y remédier. Moi je pense que là c'est une autre paire de manches. Ce sont des choses sur lesquelles le politique public peut s'y atteler. Donc la politique est l'art du possible. Tout est prioritaire chez nous ici en RDC. Tout est prioritaire, mais on va chercher la priorité des priorités. C'est notamment aussi bien former les citoyens. Et surtout que la journée comme celle-ci, c'est une journée dans laquelle on devrait sensibiliser, mettre les paquets pour sensibiliser de plus en plus la population, et toutes couches confondues, de prendre conscience ou de bien fonder des livres en papier. Je pense que la journée des livres devrait intéresser tout le monde. Les services publics, les services privés, les églises. Imaginez-vous sans la Bible, quelle serait l'église? Quel serait le message de Jésus-Christ sur terre sans la Bible? La Bible, c'est le rassemblement de plusieurs livres, non? Et c'est ce qui nous apprend, c'est la mère même de la sagesse intellectuelle. Voilà que la fête du livre devait être fêtée plus que la fête du Nouvel An. Plus que même la fête de l'indépendance. Parce que le livre, ça libérerait de l'ignorance. On doit promouvoir cette journée-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on doit faire. Il faut qu'on puisse promouvoir le livre. Nous tendons vers la fin, maître Rémi Mokassa. Est-ce que j'aimerais que nous puissions faire ce parallélisme entre les livres en papier et les livres numériques. Je ne sais pas si on peut déjà, vous pouvez donner votre point de vue par rapport à l'avenir des livres en papier, qui est en perte de vitesse face aux livres numériques qui gagnent du terrain de plus en plus. Bon, je pense que il n'y a pas péril en la demeure pour les livres en papier par rapport à l'évolution du livre numérique. Peut-être dans le milieu urbain, oui. Mais dans le milieu rural, notamment en Afrique et au Congo, par exemple, République démocratique du Congo, il se pose encore un problème. Pour accéder aux livres numériques, il y a des préalables. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'électricité, il faut avoir l'argent pour les mégas. Et puis, il faut avoir un téléphone Android, tout ça. Donc, c'est jusque-là, le livre numérique n'a pas réservé à une certaine classe de la population. Alors que le livre en papier est encore utile dans les milieux reculés, là où il n'y a pas du courant. Donc, il n'y a pas à craindre parmi les deux, donc il n'y a pas l'un qui est plus important que l'autre, mais les deux doivent être... Je dis que jusqu'à la preuve du contraire, les deux doivent cheminer ensemble pendant longtemps. Ça n'est pas des temps de circonstances. Parce que tu peux avoir un téléphone maintenant, vous êtes journaliste, et quand vous allez quelque part à l'intérieur du pays pour passer les émissions là-bas, peut-être vous devez venir à la lecture, vous n'avez pas accès à votre téléphone parce qu'il n'y a pas d'électricité par exemple. À ce temps, vous allez faire quoi? Vous devez recourir. On est bloqué. Donc, vous devez aller dans les bibliothèques qui se retrouvent là-bas, généralement chez le prêtre, pour essayer de consulter les ouvrages. Malheureusement, les gens ne s'adonnent pas aux livres en papier. 23 avril 2024, c'est la journée mondiale des livres, des droits d'auteur. Et je sais que nous sommes, d'ici là, nous allons chuter. Mais avant de chuter, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord des droits d'auteur? Vous êtes poète, écrivain, auteur-compositeur, bédéiste,
vous êtes vraiment dans votre domaine, vous nous parlez de droit de... Qu'est-ce que c'est le droit d'auteur? Bon, le droit d'auteur, c'est l'avantage qu'on reconnaît, l'avantage financier qu'on reconnaît à un titulaire d'un ouvrage pour bénéficier financièrement de son œuvre. Alors, ce droit-là est protégé pour que tout titulaire, producteur d'une œuvre littéraire par exemple, d'une œuvre artistique, puisse se tirer bénéfice financier de son ouvrage. Donc, toute personne ne peut pas, un tiers ne peut pas utiliser, exploiter une œuvre artistique sans devoir payer les droits à celui qui l'a produit. En le faisant comme ça, c'est une fraude à la loi. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, par son ordonnance, la ordonnance loi numéro 86/003 du 5 avril 1986, on a organisé donc la protection des droits d'auteur et les droits voisins. Et cette loi-là est subdivisée en 4 titres. Il y a la disposition générale, nous avons les droits voisins, nous avons la protection des droits d'auteur, et puis les dispositions finales et abrogatives. Bon. Donc cette loi-là, la loi d'auteur, nous devons savoir que cette loi existe bel et bien en Afrique, donc en République démocratique du Congo. Il va falloir qu'on puisse bien l'exploiter pour donner avantage aux titulaires, donc aux propriétaires, à la propriété intellectuelle. Mm. Seulement, il y a une chose, mais cette loi-là est à revoir, parce que il y a des conventions qui ont été signées par, au niveau international, notamment les accords aux aspects des droits des propriétés intellectuelles, qui est une convention internationale donc organisée plus par l'Organisation mondiale du commerce, qui a été signée à Marrakech en 1994 et est entrée en application le 1er janvier 1995 à la République démocratique du Congo. Vous allez rapidement parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Ça n'a jamais été appliqué. Et je pense qu'il faut, que nous ayons une émission bien élaborée. Là, on va parler vraiment spécialement du droit d'auteur. Votre mot de la fin? Bon, pour finir, en tout cas, je souhaite bonne fête à la Journée internationale des livres et un bel avenir pour les deux livres, numérique et sur en papier. Il faut que les deux livres cohabitent comme des frères jumeaux pour le bonheur du peuple congolais. Moi aussi, je vous souhaite bonne fête parce que vous êtes auteur. Hein? Merci beaucoup. Merci, l'émission touche à sa fin. 23 avril 2024, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Célébrée chaque année, et nous avons eu le plaisir de recevoir à cette émission un expert, un poète, monsieur qui est doué, un as dans le domaine du livre, bien sûr, dans le domaine d'écriture. C'était Maître Aremi Mokasa Sando, qui nous a parlé de l'importance du livre en papier ainsi que le numérique, sans oublier des droits d'auteur. Merci à l'équipe technique qui a travaillé pour aujourd'hui. Je vois Olivier Longwango derrière la caméra. Il y a Bruno Nzinga à la réalisation et Doudou Motiri, comme toujours, à la production. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Au revoir. Au revoir.